Bonjour, je m'appelle Sophie Ferré, je vais vous lire un extrait de À copier 100 fois, un livre d'Antoine Dol. Je me redresse face au miroir. Dans le reflet, je vois la lame du rasoir scintiller entre mes doigts. Tout se déforme tandis que mes yeux s'embuent de larmes. Je frappe contre la glace, la lame tombe dans l'évier, petit bruit de métal contre la faïence. Je frappe encore, parce que ce reflet ne crache que des mensonges. Les histoires qu'on m'a racontées, les promesses qu'on m'a faites. Je donne des coups de poing, et je frappe et je cogne, et j'ai mal et je m'en fous. Je continue. Mon père crie derrière la porte. Il m'appelle, il essaie d'ouvrir. J'entends la poignée dans mon dos. Et je frappe et frappe encore. Et je crie. Moi aussi, je crie. Oui, à force de tout garder en moi, j'avais oublié que j'en étais capable. Mes poings tapent contre la glace. Chaque fois, un bruit d'impact, comme si le miroir se tassait dans le mur. Mes paupières se ferment et se serrent pour retenir les larmes. Mes bras se balancent. Je ne sais plus si les miettes au bout de mes mains sont celles du miroir ou celles de mes phalanges. Et si c'était mon cœur qui se brisait, pour qui seraient les 7 ans de malheur? Mes pieds quittent le sol, je rouvre les yeux. Les couleurs se mélangent. Je sens la pression des bras de mon père qui encercle mon ventre et me soulève.